C'est bon pour moi. Allez, c'est parti. Allez, bonne game, messieurs. Bonne Tu game, me bonne switches, game. Auré? Ouais. Bonne game. Allez, à tout à l'heure. Bah, bonne victoire surtout. C'est bien de commencer avec, tu sais, beaucoup d'optimisme, cher Ah Monkey. oui. Non, mais Shanka, c'est un gros morceau à jouer. Non, ouais, enfin, surtout en Et... 2v2. Ouais, il est costaud, c'est un format qui lui plaît bien, il peut être offensif. Et... Bah, je sais, il est dans mon équipe, en 2v2, c'est très très compliqué. Bah, quand il. Vu qu'il perd rarement le premier engagement. Ouais, c'est ça. Pour ça, il faudrait Bah... presque localiser où est-ce qu'il se trouve, vu qu'il a les brites, et attaquer ensemble de ce côté. Qu'est-ce que t'en penses? Yes, ouais, carrément. Je le sens comme ça. Et comme ça, si on perd tous les deux, bah, on n'aura plus qu'à dire GG. Il faut tenir plus de 7 minutes pour l'honneur, Kiki. Non, ça devrait le faire là, je pense. Alors attends, qu'est-ce qu'ils ont comme commandant un peu là? Parce qu'il faut que je regarde aussi les changements. Oh, et puis il y a beaucoup de KV8 du Ça côté va jouer. de Timor. KV8 lance-flamme. Ouais. Toi, t'as une idée de celui que tu voudrais choisir ou... Moi, je pense que opération spéciale pour de la reco, comme d'habitude. Puis le panthère de co. Et si vraiment ça, la partie le permet, faire je trouve, si elle le permet. Ok. Mais généralement, ouais, je joue opération spéciale avec le panthère de commandement. Et puis les flares qui sont toujours très efficaces pour de la roco. Tu veux qu'on focus où du coup? Alors, bah attends, il faut que je repère sa base. Il est là. Ok. Donc. Tu peux venir quoi. Je sais que ça te fait un peu loin en même temps, donc Non, mais non, ça y va. chope les points, mais disons qu'il faudra. Elle est déjà là. Ouais, il est monté très très haut. Vas-y, j'avance aussi, attention à toi, mets-toi bien à cover. Ouais, mais là, Ah, c'est ouais, bon, l'AMG, putain, non, merde, c'était il a sûr. l'AMG. Ok, Mais alors. il me focus, donc. Ouais, mais j'ai rien au début là. Je sors un mortier, mais. Voilà, la seule chose, c'est ça, c'est que je vais essayer de faire venir le mortier. Je vais faire un barrage de fumigène. Toi, attention avec Titi là. Ça y est, j'ai placé le fumier. Il est sorti, prends la baraque s'il te plaît. Je te le tape ça. Ouais. Je vais pas rester dans la baraque. Ah ouais, j'ai. Les forces
forces ennemies sécurisent notre territoire. Putain, on a fait un démarrage chaotique. Je sais pas si on va les tenir les 7 minutes. Ouais. Je vais traquer les cibles. Je tire la... une pression. J'ai même pas assez d'essence pour la poser quoi, pour le moment. Sniper en mouvement. Je prends le contrôle. Je m'arrête. Je canarde l'infanterie. On a réussi. Il y a un sniper. Ouais, moi de mon côté j'en ai fait un. Je dégage. Timor aussi. Vont disparaître. Le bunker a été transformé en centre de soins d'urgence. Je rentre à la base. On arrive en secteur ennemi. L'ennemi tente de prendre notre secteur. On est paré. On est l'HP troupe. Nos soldats sont entraînés pour avancer rapidement. On va s'en emparer. Non, pas du tout, j'ai même allumé celle-là. Attention, le cartable, hein. Je vais essayer de lui niquer sur le bac. Vas-y, vas-y. Bien. L'infanterie de combat a désormais accès à de l'équipement et à des tactiques. Il a fait un snipe, ou alors c'est son snipe de tout à l'heure. C'est le sud optimal. Sur la grenade. Ah, oui. C'est un bombardement, ça va. Enfin, ça va, je sais pas si ça va, mais. Oh, j'ai fait mal. Peut-être dommage, j'arrive pas à lui abattre. C'est bon, je l'ai. Tu l'as eu? Cool. Ouais. J'aime quand tu me parles comme ça. Ouais. Et je reviens avec mon sniper. Tu sais ce que je fais? Je vais faire une MG parce que c'est bon, t'en as pas toi. Je vais en sortir même. Putain, il m'a niqué mon snipe. Ah, quel con! L'entraînement d'interrogatoire et la prévention de la détection sont désormais disponibles pour toutes les troupes de combat. Là, il faut lui niquer ça. Je sais que tu sais qu'on sait. Oui, oui, je sais, j'arrive avec les... Oui, bien joué. Ici, soldat du génie. Les spécialistes de l'infiltration ont rejoint le... Putain, mais pourquoi il est pas sorti de la maison, lui? Ça marche plus de sortir des baraques? Ou c'est moi qui vais faire de la merde encore. Il y a un temps de latence maintenant. Donc depuis la mise à jour, là, c'est un petit temps de latence. Attention la grenade, la explosion. Oh, mais le... Attends, mais c'est plus le temps d'avant. Ça explose vachement plus vite, putain.
Ouch! Ça doit faire moins de dégâts, mais plus. Plus rapidement. Moi aussi, avant, il m'a eu une exception comme ça. Tain, ta 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 ta, aussi, on a mes Star Wars pour me motiver. Allez. Tu as raison, chérie. Ah, je suis dégoûté, attends. Je vais voir. Alors, je vais voir pourquoi est-ce que je me suis planté pour la maison. Est-ce qu'il faut faire comme ça? Non, bon bah j'arrive plus à les sortir des maisons. Hein. C'est... Même quand tu cliques directement de l'unité à l'intérieur du bâtiment, tu le fais sortir. Ouais, j'y arrive pas en tout cas. Attention à toi là. Qui t'arrive pas la même chose qu'à moi tout à l'heure. Oh putain. L'ennemi s'empare de notre territoire. Ok. Ça ici. Bien. Il a déjà un canon ici. Ok. Une unité de mitrailleuse lourde attend les ordres. Sécurisez ce point. Bougez, bougez. Restez à couvert et tenez-vous prêts. Comment ça se passe toi, mon kiki là? Ça va, juste son sniper un peu qui m'embête, mais ça va. Ok. J'ai détruit son véhicule. Je sais plus comment il s'appelle, le petit AT là. En russe. Un peu Kiki. Non, moi aussi hein, c'est on tient encore mais pour combien de temps ça avec son snipe là. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pris un... Bah, un dynamite et il était couché. Donc du coup, bah, la portée est moindre quoi. Il a quand même réussi à le poser. J'ai des flares du coup, la Rocco si jamais.
Grenade à fusil. Oh putain, ça n'a rien fait. L'ennemi tente de prendre notre secteur. Oh. Chut. Putain. Nous perdons un secteur. Les forces ennemies sécurisent notre territoire. Attention à eux, hein. Très 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 fort. Hein. Elle est belle. Oh! En mouvement, grenadier au rapport. Objectif capturé. En mouvement. On est paré. C'est un beau petit lot de terre. Et c'est à nous. Ok. Ah, ils sortent pas des maisons ceux-là. Ok, merci. Je passerai moins pour un con, Chris. Thank you very much. Qu'est-ce qui ne sort pas des maisons, du coup? Tu sais, avec ces... Les Jaegers. Oh, qui m'intéressait, là. Ah, oui, oui, oui. Je me disais aussi. Bon, par contre, ici, il m'a sorti ça. Alors, ouais. si t'as une un AT quelque chose, ça m'arrange. Faire une Roku, enfin, un Roku, je vais faire au milieu. Attention, hein. Voilà, reste bien l'embuscade. Soldats du génie en attente d'ordre. On a du travail de construction. Ah putain, ils nous ont décap. Comment ils ont fait pour nous décaper ça? Ils ont quoi? Il est venu avec ses trucs de. Décale-le maintenant que tu lui as mis un petit coup, ce serait cool. Quand tu pourras. Attention en haut à gauche, excuse-moi aussi. Je te déconcentre et en même temps je te donne des consignes, t'as vu. Ça y va. Je sais pas comment il a fait par contre pour détruire ma MG au milieu. Je vais faire deux Stug. Je vais essayer de récupérer notre. Je sors mon pick-up là. Ouf, c'est au mid, t'as vu tout ce qui arrive? Ouais. Alors récupère ton Raketen, ouais. Je vais mettre le mine ici là. Fais chier, j'ai pas encore le bombardement, mais je l'aurai pour pas grand chose. Il me coûte 100. N'hésite pas à me dire quand ça partira un peu aux cacahuètes. Yes. Stock 3 paré au déploiement. Los, on doit prendre le territoire ennemi. Attention en haut. Merci. Ça y est, je t'emmène le premier Stug. Au mid. Et on
Attention en haut toujours. Merci. T'as quelque chose pour me réparer là, Kiki, ça serait cool. Ouais, bah ouais. Troisième de QG du coup aussi. Attention en haut. Nous perdons un secteur. On est paré. Tiens, là je fais un petit bombardement. Là, le snipe, le snipe! Oui, on l'a eu! Bien joué! Attention, SU sur le flanc. Ouais, je le flanque. Oh. Ah, il nous attaque. Il bombarde, je décape et je me casse. Je peux pas. Oh oh. L'appui anti-char des Stuka est en attente. Ah, il a fait tomber carrément l'avion. S'empare d'un secteur.
C'est bien implanté ici. Je tape là-dedans. Yes. Ça va, il va le perdre. C'est un peu chaud quand même, hein. Ouais. Je confirme, c'est vraiment tendu. Je balance un petit fumier. Aïe. Attention, bombardement sur toi là. Il a pris ta mine, nickel. Tu bloques là-dessus? Ouais. Oh bah non. Il ramasse un peu. Je fais un Panzer Werfer Kiki pour essayer de yes. taper un peu tout ça. Oh, le Panther qui s'étire. De prendre nos...
C'est bien ce que tu fais là de reprendre en or. Ouais, je me dérange un peu. Je change tout cas du coup. T'as vu là, y a un putain, y a un char qui arrive. Oh là, j'ai fait mal. Oh mince. Oh vous rêvez, j'étais stacké quoi. Ah, ah mes deux legs. À bout portant, déconnez pas. Yes. Je viens t'aider là. Oh, mon QG. Oh, la Katyusha, oui, il m'a fait des trucs. J'ai plus d'unité avec la Katyusha, il m'a. C'est les junkers, je pense. Ah non, c'est pire. Ouh, tu l'as bien esquivé. Ok, il m'a vraiment tout détruit. Je tape. Ok. C'est pas mal ce petit... Le fait qu'il soit caché en embuscade là. Salut Red 00, ça fait longtemps. Salut Ozligat, la bise. Là, je suis là par pas. Ah, j'allais te dire par pas, je te le défais. Putain, attends, il m'a angoissé. Est-ce que c'est un tir de Katyush? Ouais, mais putain, c'était pas du bon côté. Qu'on reprenne un peu le mythe, ils sont en train de me récupérer le bas en même temps. L'ennemi s'empare de notre territoire. Oh, ça va faire mal ce que t'as fait là. Bien joué. Ouais. Kiki, me refaire un appel s'il te plaît sur la base, leur base. Une flèche? Ouais. Juste pour que je tire dedans là. 5 secondes, ouais. Ah non, ouais, non, même pas, non, juste me dire à peu près où elle était que je tape dedans. C'était là? Ouais. Ouais, ok.
Bien, je vais casser son repli. Ah, je l'ignorais. Putain, attends, on va être dans le champ. Ouf. Faut qu'on recule nos chars, Kiki. C'est vrai que j'oublie que maintenant le T4 pour l'activer t'as activé. Fait le soin Kiki là oui il a tué okay. Mais je crois qu'il a tué mes infirmiers en fait. Ah c'est et ils veulent pas revenir sur le champ de bataille par hasard. Ouais, même les infirmiers il a tout tué en fait avec son bombardement. C'est bon, là c'est bon, ils viennent de renaître de leur cendre. Je suis en train de leur défaire ça. Hop, je récupère, vite. Vu que j'aurai pas le temps de tirer beaucoup, j'aurai pas le temps de tirer Frock. Je tire à bout portant là-dessus, tant qu'à faire. J'ai eu le temps d'en tirer un, nickel. C'est mieux que rien, c'est mieux que rien. L'angoisse, j'ai cru que c'était la tertiaire.
recule, comment veux-tu, comment veux-tu? Hop, on bouge tout ça et on va EP, jump encore en munitions, ça me paraît pas mal comme, comme mélange. Ça. Ouais. Hein, ça je peux envoyer des flares à Bougo. Ouais. On a un bisou tout le temps. Ah putain, il recommence à nous tirer dessus lui. Il tape sur tes bases. De Stuka, c'est sur lui. Faut que ça, ouais. Oh, c'est la base où je me répare, j'aime pas trop ça. Les bombardements, on est vraiment en train de les étouffer. Je pense que c'est ça le pire pour eux, c'est ça. Je l'ai eu là, je crois. Son... Je vais faire un reco dessus pour voir. Ouais, ouais, exact. Je viens de le pop. Tu l'as niqué? Cool. Il est juste des pop, hein. Il va pouvoir le se remettre dessus. Eh ben, je bombarde. J'attends qu'il le reprenne, voilà. J'adore. C'est bon, il l'a reperdu. Là, j'ai tapé par ici. On rebalance des fers. Oh, attention. Il y a ça. Je l'empêche. Je vais l'empêcher de le placer. Ah. Tiens là, je vais lui péter ça, il va pas s'y attendre. Nos adversaires s'emparent d'un secteur. Bien joué ça. Ouh, boom bébé. L'ennemi s'empare de notre territoire. Je te laisserai pas, monsieur, monsieur Timor, je te laisserai pas à la récup. Plus de
Putain, t'as fait des dégâts, mon kiki, c'est bien joué ça. Je vais EP les points. Enfin, j'ai déjà plus beaucoup de points à EP, mais récupère ce que tu peux, toi. Ce sera déjà ça de prix. Ouais. Allez, je tape là, puisqu'ils arrivent. Et ça, je vais le P en munitions. Ah, le double Rocketen en fufu, là, c'est magnifique. Soigner un peu quand même. Ouah, il a tapé là où j'étais au dernier tir. Non, j'ai bougé. Je tire ici en tout cas. Putain, il m'a niqué une de mes MG, je suis deg. Je tenais, mais si tu le savais. Bien joué ça. Je fais passer les junkers. GG. Elle était intensive. Salut Fredor, Yann. Hey, tiens, je te l'ai fait le tir de Junker, regarde, dans la base il est. Est-ce qu'il voulait que je le fasse, je l'avais mis juste avant et l'image est fixée dessus quoi. Dédicace à notre ami Raviol, et j'ai eu du Panzer gros. J'ai l'impression qu'il a placé une dynamite ici. Je vais faire un petit test. Parce que je trouve ça bizarre qu'il soit à côté mais qu'il ne la reprenne pas. Bah normalement tu peux la voir en fait. Maintenant tu la vois donc Ouais mais tu la vois peut-être près non. Je sais pas, j'ai pas eu le cas de figure encore. Ouais assez près quand même. Je sais plus, genre GG mais je fais. Putain elle était intensive hein. Ouf. Ouais. Elle était très intensive celle-ci. C'est pas grave Frédorian, si tu te mets le petit si tu follow la chaîne, tu seras sûr de pas nous rater la fois prochaine. Tu vois. Et bien joué. Bien joué, les gars. C'est les bombardements qu'on fait la diff. Ouais, clairement. En tout cas, ouais. On vous a un peu harcelé avec ça. Non, c'est moi qui fais la diff, putain. J'ai regardé les stats là. La vache que j'ai pris. C'est qui le petit sagouin là qui m'a buté mon snipe? Je me suis vengé sur c'est moi. Mais... C'est moi. Petit salaud là sur le bac. Papa. Je l'ai vu là. Ah mais j'étais deg parce que c'est de ma faute, j'ai laissé trop d'espace pour le faire backer, il faut qu'il soit vraiment, qu'il puisse se tirer vite fait bien fait quoi. Et là, il était trop loin là, ouais. Tu l'avais mis un peu trop loin là. Trop loin et du coup, il a vite ramassé. Ouais. Non après c'était une belle game. Ouais. Ah, moi vous m'avez fait mal, vous m'avez fait souffrir. Oh là là. En haut au début, ouais c'était ouais, c'était compliqué. Ouais. Et tu vois j'ai sorti le centaure là. Ah oui, celui-là, mais... Centaure, j'ai kiffé. Il est bon. Bah, il est très bon. Bah, quand t'es venu sur mes legs, en fait, tu sais, je fais tir automatique, enfin, tir de barrage, et ils ont souvent tendance à se stacker, tu vois. Ouais. Et puis, je t'ai vu avancer avec le centaure, je me dis, ça y est, c'est la fin. Et là, Et je lui dis à Timor, je lui dis, regarde, il n'y a plus de legs. J'ai fait le mitraillage, allez, plus rien. Ouais, moi j'ai eu l'amère découverte de me rendre compte que leur section Jaeger, elles sortent pas des baraques celle-là. J'étais un petit peu dégoûté. Ouais. Elles ont l'air pas mal, 5 pélos. Ouais, 5 bonhommes avec tout un tas d'options pour balancer des grenades, c'est pas mal. Maintenant, je regrette un peu qu'elles sortent pas des baraques comme avant.
Ouais. Après, bon, j'imagine que c'est pour pas que ce soit trop abusé non plus, vu qu'ils les ont améliorés sur certains points. Mais voilà, ouais, c'était pas mal. Après, à un moment, j'ai pas bien compris. Au début, Timor, tu m'as balancé. C'était un cartable que tu m'as balancé? Ouais. Il pète vachement plus vite, non? Bah oui, ouais, il pète. Et moi aussi, à un moment donné, je te bloque devant mon unité, puis t'arrives quand même à balancer le cartable. C'est pas qu'il pète plus vite, mais j'ai l'impression quand on appuie sur T, il y a un petit temps de latence par rapport à avant. Ah oui, ça oui, pour baquer, tu veux dire? Ouais, ça oui. Ouais, parce qu'après, non, il fait 2,5 secondes, hein, comme avant. C'était... Ah ouais, c'était si peu. En tout cas, bon, il m'a fait mal. Hein. Le premier, là, hein, ma troupe entière, elle a disparu, là, quoi. C'était bien parti, et après, ce fut le drame. Puis bon, petit à petit, on a réussi à grignoter. Comme je dis, beaucoup de bombardements. Il y a Chris Robb, il voulait voir du Junker, mais en fait, j'arrivais jamais à économiser. Parce que soit j'étais en train de vous balancer des grenades. Au début, je t'ai fait mal avec ça, Shanka. Les grenades à fusil, parfois, tu t'en es sorti avec un poil de cucu, pour ne pas être vulgaire. C'était chaud. Mais j'avoue, si j'avais upé un peu plus vite les munitions, ça aurait fait encore plus mal vu que j'avais les deux bombardements. Mais bon, le vôtre nous a fait mal, je sais pas lequel l'avait, mais quoi. C'est Shanka qui avait le bombardement avec les... Oui. Les Typhoons. Les Typhoons, ouais. Ouais. Celui-là, il nous a fait mal. Obligé à reculer, quoi. Souvent. Bah du coup, j'ai vu que maintenant, quand tu actives l'option sur le T4, eh ben, il est vachement efficace contre les avions. Ouais, parce que la ça deuxième fois, j'ai l'avion activé... direct, presque. Ouais, quand ouais, je l'ai activé, la deuxième fois, j'ai eu le réflexe de tout de suite l'activer. Et ton avion est tombé en 2 secondes, quoi. Bon bah voilà les Kiki, en tout cas c'était sympa. Ouais. Je nous donnais pas gagnant, mais bon, on a réussi à renverser la vapeur, donc... Bien wesh, parce que vous aviez fait un meilleur départ que nous. Hein. on avait un peu foiré, mon Kiki, on peut le dire, non? Ah bah oui, clairement. En plus, c'est quoi, j'avais dit, sans vouloir te penser Timor, mais j'avais dit... Putain, on voit où est Shanka et on attaque à deux de ce côté parce qu'il va nous faire la misère, quoi. On attaque à deux, sauf que vous avez attaqué à deux aussi, quoi. Ça s'est mal passé. T'étais monté vachement haut, Shanka. Je m'attendais pas à te voir sur ce point-là. Je me suis dit, bon, allez, il va peut-être être dans la maison à l'extrême rigueur, mais... T'étais direct sur le point. Donc... Mais en fait, je suis monté dans la maison, j'ai vu qu'il y avait personne. Et ben là, tu te dis, bah tranquillou, quoi. C'est ça qui a fait la diff, hein, parce que du coup, j'ai dû faire marche arrière et après, c'était compliqué. Bon, heureusement, le mortier est arrivé. Et pour une fois, j'ai eu la présence d'esprit. Plutôt que de faire un tir, tu sais, chaque fois que je fais un mortier et qu'il y a une MG dans la maison, mon premier réflexe, c'est d'essayer de faire un tir, tu sais, de mortier classique. D'enchaînement là, et en fait là j'ai fait l'inverse, c'est à dire que j'ai mis des fumigènes pour nous permettre d'avancer, quoi. Et okay, après quand t'étais dehors à ce moment là on t'a fait reculer petit à petit, mais ça c'est un mauvais réflexe que j'ai d'habitude taper tout le temps là, le temps qu'il te la déloge, t'as le temps d'avoir des renforts alors que le fumigène il est un peu agressif, quoi. Il te permet d'approcher, d'envoyer une grenade. En early justement le problème c'est que tu débrouilles pas de grenade, t'as pas beaucoup de munitions, donc c'est un peu compliqué en fait. Surtout pour toi là, bon. Ouais mais là ça va, ça me coûte rien d'envoyer les fumis, donc c'est bien, ouais. Ouais. C'était gratos. Bon voilà les kikis, je vais aller manger, enfin en tout cas préparer à manger du moins. Donc je vous embrasse, je fais la bise, merci et au plaisir de refaire ça. Yep, pareil. Ciao, bye bye. Ciao.